Facciamo così, prima ancora, diamo dei nomi, l'editoria delle cose. Donc, nommons les choses, on donne des titres aux différentes choses. Et per farlo, la prima cosa è che bisogna sempre stare molto attaccati ai fatti. Et la première chose, pour être correct, c'est d'être très concret par rapport aux faits concrets. Voyons quel est l'effet. Prima domanda, questo gruppo rispetta le regole? Première question, ce groupe-là, c'est lequel? Ce groupe. Ah, le groupe, est-ce qu'il respecte les règles? Aussi les observateurs. Aussi les observateurs des Nations Unies. Oui, mais ce n'est pas la réponse à ma question. Alors, non è la risposta alla sua domanda. Allora, per voi, il gruppo in generale, tutti quelli che siamo qui, ha rispettato le regole, le consegne o no? Come tendenza? Tu lo sì o no? Oui ou non? Come tendenza, questo gruppo rispetta le regole. Ok? Sì? Tutti d'accordo? Sì. Invece no. Voilà. Chiaramente no. L'ultimo esempio. Dernier exemple. Gruppo C. La regola, la richiesta è un rappresentante. Viene e parla. Il gruppo C in quattro, non solo, ma è io parlo per me, lei parla per sé. Donc, le gruppo C, au lieu de venir un représentant, sont venus les quatre. Et un, il parlait pour soi, et l'autre, elle a parlé pour elle. Donc. Sulle regole, non si può usare i progetti. Primo incontro sulle scale i due referenti. Allora, con i progetti. Allora, okay. Le premier rencontre, donc en montant pour venir ici, les deux référents, ils étaient là en train de voir les progetti. Terzo esempio. Troisième exemple. La traduzione del secondo esempio. Hein? Non ho capito la. C'est-à-dire que quand il devait venir, il devait pas, les groupes ne devaient pas avoir des contacts. On avait même nous dans notre boîte et on l'a pas regardé, on avait les autres projets. Non, les instructions. On avait abbiamo l'istruzione del gruppo C nella scatola, non l'abbiamo guardato. No, le vostre istruzioni. No, anche. Et là, nel gruppo A e B c'era scritto non potete portare i progetti. Lei arriva e ha il progetto. Lui arriva e ha il progetto. Ok? Donc c'était indiqué dans les règles des groupes A et B que les représentants ils devaient aller nus, sans rien. Io sans dico projet. Al gruppo di osservatori voi non potete intervenire. E Renato, per aiutarvi, interviene. Okay? Ma hai detto al gruppo di osservatori anche di osservarci tutti? Certo. Ok. Questo non è un problema di per sé, è un fatto. Ça, c'est pas un problème, c'est un fait concret. E come questo gruppo funziona? C'est okay? Comment ce groupe marche, fonctionne. Buona. Questo è importante che ce lo diciamo, non solo, alcune consegne non
è che non le avete rispettate, le avete interpretate. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas respecté des consignes, on les a interprétées. Ma che interprétation, ok? Cioè, per esempio, il gruppo C. Le groupe C, par exemple. Encore. Dice, siccome fino a qua non abbiamo avuto tempo, non si capiva, non riuscivamo. Donc le groupe C, puisque jusque-là ils n'ont pas eu le temps, on ne comprenait pas, on n'y arrivait pas. Ci prendiamo il potere nell'ultima parte. On prend le pouvoir dans la dernière partie. La parte, l'ultima parte, cosa è accaduto nell'ultima parte? Qu'est-ce qui est arrivé la dernière, dernière partie? Qu'est-ce qui a passé? Un gruppo arriva con il suo coso, l'altro gruppo è un po' perso, ma lo avevamo scritto, siamo persi, no? Che il concetto è più, loro arrivano. Donc, e poi? Les deux groupes arrivent, d'abord un avec le truc, l'autre, comme on a dit, un peu perdu, mais okay. Voilà. Et qua che cosa succede? Et qu'est-ce qui se passe là? Prima ancora. Avant. Avant. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de très, très important. Dans le montage. Nel montage, che cosa succede? Hanno cambiato una cosa. Chi? Le due persone che facevano la sentenza. Chi? Il gruppo. Non, le nomi. Le nom. Max, cosa fa Max? Ha tirato fuori il... Spacca il ponte. Ok? E lo rimonta. Ma sei un ingegnere. No, è interessante. Okay. Il gruppo qua. Okay. Max cambia Max, non il gruppo A. No, aspetta, però c'è una cosa da dire, che noi abbiamo osservato, quando siamo andati a osservarli, sia loro, sia... Qua. Sì, ma là sia parla di sì. Avevano previsto questa soluzione. Non importa, quello che accade qua è che Max arriva e cambia il ponte. Allora, ce qui arrive là, c'est que, en effet, pour le montage du pont, Max, il doit modifier un truc, voilà. Power to Max, con la povera... Valentina. Valentina che regarda un po' così e dice vabbè Valentina certo meno male che Max non ha cambiato il tuo ponte, no, non ha cambiato il suo ponte. Se non l'avesse fatto avrei cambiato il mio. E certo, però lui arriva e salva la situazione. Okay. Quindi prima cosa, donc, Max arriva e cambia il ponte. Max arrive, change le pont et sauve la situation. Seconda cosa. Valentina dit que si c'était pas Max, l'aurait fait. Deuxième. Cosa succede poi dopo? Ensuite. Cosa succede? Qu'est-ce qu'il arrive? C'è il test. Abbiamo un po' imbrogliato con le macchinine che abbiamo fatto andare. Il test, le macchine un po' volano, va bene, tutto ok? Poi c'è la... E poi cosa succede? L'evaluazione. L'evaluazione. Donc, après le test, il y a eu l'evaluazione. E cosa è accaduto nella valutazione? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Cosa... I due rappresentanti hanno interventi per fare un po' di... C'è stata una messa in... una non accettazione della valutazione. C'è stata una performance. Il y a une performance. Sì. Ma in scena. Voilà. En scène. Il club della pesca. No, la... Facciamo volare. Qui una performance che però alla fine cosa avete valutato? Cosa è stato valutato? Qu'est-ce qui a été évalué pour finir? La performance. No, 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 concretamente come. Cosa è stato valutato? Come vi siete sentiti in quel momento lì? Comment vous êtes senti à ce moment-là? Io ero un po' fuori della cosa. Un po' fuori? Perché? Perché era, come tu l'hai detto, un po' una performance che aveva un sentimento che era un giudica su cose che non era troppo interessante, che ha davvero... Je suis vraiment senti un peu en dehors, vous voyez, des jugements. Avec les règles, c'était un peu exagéré. Et les trucs des pêches, des arbres, un peu moi j'ai dit, ça m'a saoulé, j'ai pas écouté, j'étais un peu dehors avec Chandy.
Oui, alors elle dit que pour lui c'était pas intéressant parce que c'était un peu une performance. Non, in italiano. L'ha detto Luigi. Dice, ho sentito che ero fuori perché era come se la valutazione fosse su cose non rilevanti, no? E quindi queste cose che non, mi sentivo un po' fuori, giusto Giulia? Sì, voilà. Altri? Moi je me suis sentie aussi un peu en dehors parce que je comprenais pas pourquoi l'évaluation prenait cette forme de notes. Exacto. 5. Bon, ce qui était intéressant, c'est de voir si les voitures elles passaient, si on pouvait dire sécurité, intégration d'espace. Oui, non, et basta. Et ça prend une forme presque de contrôle et de notation, comme ce qu'on a l'habitude de vivre en tant que. Donc, lei ha detto che anche lei si è sentita un po' al di fuori perché ha visto che ha preso una forma un po' di un giudizio con dei voti da 1 a 5, come avviene un po' dappertutto banalmente. Però quello, a me, dal mio punto di vista da fuori, come gruppo valutato, io pensavo fosse parte della loro posizione. Ah, sì. Puoi ripetere questa cosa che hai detto? Allora. Io da fuori, come? Come gruppo valutato. La loro come, parte. Ma tu hai usato queste parole, come gruppo valutato. Allora, elle a dit... De l'extérieur, elle, en tant que groupe évalué, il a vécu ça comme une consigne qu'ils avaient reçue. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il n'y a rien. Non, attends, elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Alors, elle a dit, comme ils étaient des techniciens préposés à superviser le pont, et elle pensait que c'était dans leur tâche d'évaluer. Et en effet, elle a parlé d'évaluation du groupe. Et Christine a dit, qu'est-ce qu'il fallait évaluer, le groupe ou le pont? Voilà. Anne? Oui? Oui, ça. En fait, moi, depuis le début du travail, je suis pas trop la critique ou le résultat. Je suis plus en train de me dire quelle chance j'ai aujourd'hui d'être là, parce qu'en fait, je suis en train de travailler des zones de mon cerveau que j'ai peut-être pas la chance de pouvoir faire ailleurs que ici. Donc, en fait, je suis plus dans une sorte de, je lâche prise et puis je me dis que c'est vachement intéressant parce que il y a forcément des choses que je suis en train de travailler dans mon inconscient que j'ai peut-être pas la possibilité de faire ailleurs, en fait. Non, quello che ha detto, che dice Anne, è che lei non si è posta tanti problemi perché soprattutto quello che ha vissuto oggi è che ha potuto lavorare su delle zone un po' differenti, dei territori differenti nei quali non si era mai avventurata, che quindi questo per lui è per lei simbolica. è un'acquisizione importante. Dunque non è né delusa né entusiasta, ma si è vista un po' come sì, è in riflessione su questa cosa che l'ha vista come un po' all'esteriore, come protagonista, come un bambino. Sì, Ambro? Un côté très pragmatique. Pour moi, l'objectif était de construire un pont, de faire en sorte que les deux moitiés s'assemblent
et que les trois objets puissent circuler dessus et que ça puisse, voilà, ça s'arrêter là. Donc du coup, il n'y a pas d'autres critères d'évaluation. Donc passer cette étape-là, le reste, moi, je n'ai pas compris l'évaluation parce que pour qu'il y ait évaluation, il faut qu'il y ait des critères. Donc Ambra non ha capito il senso della valutazione, perché per lei l'importante era la realizzazione di un ponte che tenesse e che tenesse alla prova del passaggio delle macchine, non tanto una valutazione così in genere di merito. Quindi adesso posso fare la domanda che ho fatto prima? Certo. Quindi la domanda che ho fatto sin dall'inizio è: perché non abbiamo potuto dire a nessuno quali erano i criteri di valutazione e quali erano le nostre, cioè il fatto che noi avremmo valutato anche se c'era una pista ciclabile, una cosa per camminare, l'impatto ambientale, perché tutte queste cose non sono state rese note a chi doveva realizzarlo? Allora, pourquoi donc le groupe C avait une série de critères d'évaluation et il demande mais pourquoi les groupes ils n'étaient pas devaient pas être au courant de quels étaient les critères d'évaluation de l'ouvrage. Alors, per rispondere alla tua domanda, per lo stesso motivo per cui voi non sapevate le loro idee iniziali, perché in ogni gruppo ci sono degli obiettivi o delle aspettative o dei consegne che afferiscono al vostro ruolo. Voi eravate dei supervisori tecnici a garanzia di un finanziamento, ok? Il finanziamento aveva una serie di priorità. La prima era: deve funzionare il ponte. Poi tutta una serie di altre, ok? Quindi era per voi quella cosa più che per loro. Ma il vostro ruolo era anche, qual era il ruolo del gruppo C? Di aiutare i gruppi a migliorare i progetti. Donc, les critères du groupe C étaient des critères en effet un ordre d'importance sur ce qui était les attentes des financeurs. Et le rôle du groupe C, c'était ceux d'aider à améliorer les projets. Pourquoi les groupes n'étaient pas à connaissance de ces critères? C'est parce que, en effet, le groupe C, il ne savait pas au départ quels étaient vos projets. Qualifica del lavoro attraverso la risata, perché esistono dei momenti in cui c'è qualcosa che fa ridere e siamo bravissimi a ridere insieme, a divertirci, non facciamo fatica perché ci vediamo bene, ci piace stare insieme. Poi ci sono altri momenti in cui è molto fastidioso perché impedisce la concentrazione e anche perché, non so, ci sono delle persone che fanno magari un sacrificio anche fisico di stare in uno stato e invece altri che cedono, e vedere gli altri che cedono a volte è ancora più complicato. Sì, aspetta, dunque ce che vuoi tradurre tu? Je disais que c'est comme gère un peu de souffrance, ce que pendant le travail il y a parfois des personnes qui rient, qui fait une sorte de Déqualification du travail, dans le sens qu'il n'y a pas toujours de respect des autres et respect du travail. Que pour moi, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui font même des sacrifices au niveau physique d'être là et des autres personnes qui cèdent. Qui sont plus relâchées. Qui relâchent. Et donc, voir les personnes qui relâchent rendre encore plus difficile d'être là. Posso chiederti esattamente quando hai sentito questa fatica? Nella valutazione finale. Nella valutazione. Ok. La question è quand? Le moment exact dans lequel tu as sentito? Sì, scusami. No, solo dal momento in cui è scaduto la prima scadenza di tempo fino alla valutazione finale. Parce qu'il y a eu une modification entre les horaires de l'échéance.
l'échéance du temps a été prolongée. Da quando il tempo è stato prolungato? Sì, donc, a, par- hein? À partir de la première prolongation du temps, donc les 15 minutes de plus, 20 minutes de plus, là, elle a vécu un peu ça jusqu'à la, à l'évaluation finale. Solo per aiutarvi un po' a stare sui pezzi, alcune cose che emergono rispetto a alle cose che questo gruppo sa fare. Donc certaines choses qui émergent, des choses que ce groupe entier sait faire. Siete riusciti a costruire un ponte in, calcolati, 37 minuti. Donc vous avez réussi à construire un pont en 37 minutes. Incroyable. C'est incroyable. Très bien. Avete, siete riusciti a utilizzare l'azione concreta per compensare lo squilibrio nel clima del gruppo. Vous avez réussi à utiliser l'action concrètement pour compenser les déséquilibres dans le groupe. Quindi, quando c'è una crisi, voi fate. Donc, quand il y a un moment de crise, vous agissez. Et risolvete. Et vous allez trouver des, et vous trouvez des solutions. Questo è un meccanismo di funzionamento. Ça, c'est un mécanisme de fonctionnement. Buono, non sufficiente. Il est bon, mais ça ne suffit pas, même si ça marche. Avete un altro meccanismo interessante, che è quello di, della dimensione ludica, performativa. On a un autre mécanisme giocoso. Intéressant, c'est le mécanisme ludique. Et de performance. Ci sono stati alcuni momenti di critici, nel senso proprio di criticità di svolta, in cui il gruppo ha tirato fuori la leggerezza, la boutade, il gioco, per superare il potenziale conflitto. Alors, il y a eu des moments critiques dans lesquels sont sortis des moments de performance, de blague, etc., pour dépasser la criticité du conflit. Anche questo è un meccanismo di funzionamento utile. Ça, c'est aussi un mécanisme utile de fonctionnement. Mm-hmm. Ok. Questo anche per rispondere un po' a quello che dice lei. Il momento della valutazione è stato quello più difficile del gruppo. Era difficile per loro perché non sapevano come starci ed era difficile per voi. Quindi cosa avete fatto? Una performance. Donc, c'est ça, le moment de l'évaluation, c'était le moment le plus difficile de la journée. Et il était très difficile pour le groupe C, mais aussi pour tous les autres. C'est aussi pour ça, peut-être, qu'il y a eu ces moments d'allègement. L'altra cosa che è molto interessante del vostro meccanismo ancora di funzionamento è che il vostro metodo è il non metodo. Donc l'autre chose intéressante du mécanisme de fonctionnement, c'est que la méthode de ce groupe, c'est la non méthode. Che però per voi significa a volte caos creativo. Qui veut dire parfois du chaos créatif. Seguiamo il flusso. Ou bien on suit le courant du fleuve. Follow the leader. Ou bien on va suivre un leader. Il salvatore. Le Jésus le sauveur. Attenzione, perché questo crea uno dei problemi più grossi nei gruppi di lavoro. Attenzione, perché ça, c'est un dei rischi le plus gros des groupes de travail. C'est-à-dire? Come? La role. Ci sono due livelli in un gruppo di lavoro, sempre, il formale e l'informale. Il y a toujours deux niveaux dans un groupe de travail, le niveau formel et le niveau informel. Sempre, toujours, da quando toujours. Si è piccoli a quando si è grandi. Qual è la differenza profonda qua? Quelle est la différence?
Ici. Sapete? Sì. Personalità. No, oh, tra formale e informale. Formale anche, e formel informale. E informale. Il leader, ça peut être un titre. Je dis le leader formel, ça va être par exemple le chef qui a un titre. Et par exemple, si on prend le foot, il y a le leader capitaine, si tu veux, et le leader technique, qui va peut-être pas être capitaine, mais c'est celui qui sait mieux jouer au ballon. Et le leader qui va plus être mental, par exemple. Ou qui a juste la hiérarchie, et après, le leader informel, c'est celui qui va agir. Statut et compétences ? Non. Non. Formale. Alors. Formale dichiarato e informale non dichiarato. Voilà. Formale, dichiarato, chiaro, trasparente, detto. Formel, c'est déclaré, bien okay. défini, esplicité. Quali erano i ruoli formali nella simulazione? Formali. Le quels étaient les rôles formels dans la simulation? Le master? Il rappresentante. Le rappresentante, le leader, le facilitateur. Sì. Lei. Ok. E che altro? L'osservatore. Voilà, ça c'était. Okay. Gli informali, o meglio, i formali nei gruppi. Oui, les formels, mais dans le groupe, à l'intérieur des groupes. Mm? Mm? Quando vi siete divisi il lavoro. Quand tu fai questo, tu fai questo, tu fai quello. Quand vous avez partagé le travail. Ok. Informali, quali erano? Informel, qui était informel? Il manipulatore. Ok. Io. Donc il manipulatore. Io. Le rôle de Julien, per esempio. Il rôle de Julien. Avant de dormir. Il y avait beaucoup de rôles informels. I ruoli informali sono quelli che le persone vivono, a volte consapevolmente, a volte inconsapevolmente. Le ruoli informali sono le ruoli che le persone incarnano, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Aurore, l'anti-leader. Aurore. Basta, per favore. No, però è reale, no? Va, sì, nel senso che è una funzione importante per il gruppo. Allora. Perché qual era il problema del gruppo A? Il gruppo A aveva un leader che era casualmente anche il rappresentante. Donc, la caratteristica del gruppo A è che aveva un leader che era par hasard aussi le rappresentante. E che cosa succede ad un gruppo quando allo stesso tempo perde il facilitatore e il leader? E qu'est-ce qui arrive un groupe quand en même temps il y a le facilitateur et le leader qui s'absente? Succede una cosa, che nasce l'anti-leader, che non è contro il leader. Donc c'est la naissance de l'anti-leader, que c'est pas un contraste, en opposition au leader, mais c'est quelqu'un qui riempie il vuoto, qui remplit le vide. Et questo è normale, è sano, salva. Et ça c'est très salutaire. Okay. S'il vous plaît, alors moi j'ai besoin qu'on définisse clairement qu'est-ce que ça veut dire leader, parce que depuis tout à l'heure. Très bien. En fait, on parle de personnes qui vont s'imposer dans la parole, mais c'est pas forcément des gens qui vont comment dire, qui vont avoir qui vont choisir, qui vont trancher. Le pouvoir. Et okay. Donc du coup, on peut confondre quelqu'un qui va parler plus fort que les autres et quelqu'un qui va avoir la capacité de faire choisir quelque chose. Et là, par exemple, là, du coup, on peut confondre en fait deux rôles qui n'ont rien à voir. Et par exemple, à un moment donné, à plusieurs moments, on a tous eu des rôles qui nous ont permis de trancher. Et c'est pas forcément Max qui a tranché à chaque fois. C'est pas forcément Aurore qui a tranché à chaque fois. Des fois, il y a Katharina qui a eu des exemples, des choses qui ont permis de faire avancer les choses. Et en fait, on a été plusieurs à agir. Et en fait, de parler en tant que leader, de dire « il y a deux leaders »,
eh ben, je trouve que ça fait vraiment la vision du groupe A, par exemple, de ce qu'on était dedans. Alors effectivement, on a sorti Max, on l'a fait avancer parce qu'il parle mieux que les autres, peut-être, plus okay, la facilité okay, okay, de pouvoir parler. Oui, alors, Olivier demande de définir la... Scusa. Olivier chiede di definire la... la figura del leader, perché in effetti dice che all'interno del gruppo a diversi momenti diverse persone hanno preso un po' in mano le situazioni portando delle soluzioni. Allora, chi è il leader? Il leader è la persona... mal à l'aise un petit peu depuis qu'on a fini les présentations et que vous avez parlé, tu as parlé avec une façon un petit peu, je pense, c'était pas mal intentionné et j'ai l'impression que ça a généré une sorte de tension, une peur de jugement, une sensation de jugement personnel dans le groupe et que c'est en train, je vois dans les façons de s'exprimer, monter alors que c'est quelque chose qui a jamais existé, enfin que moi je n'ai jamais senti exister. Et que je trouve très beau dans ce groupe, toute cette bienveillance et cette écoute qu'on a entre nous. Et du coup, j'ai l'impression que tout d'un coup, il est en train de se matérialiser quelque chose qui n'était pas présent et que personne ne souhaite en fait. Mm-hmm. Donc, juste c'est, alors, lei sente, sente della tensione, cosa che normalmente non c'è nel gruppo e si sente un po' a disagio per questo e quindi perché è come se sente che il tuo intervento è abbastanza aggressivo. Sì, qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous aider? Giulia, puoi prendere la traduzione? Reprendre un peu plus tranquille, okay. Simplement une intonation de voix et de voix. Je ne sais pas comment c'est possible, mais qu'on prenne conscience qu'on est en train de céder à aller un petit peu plus loin ensemble. Okay. Forse una cosa che i nomi sono che è importante, che possiamo nominarne una volta, due volte e dopo basta. Penso che la ripetizione è sempre impatticosa per la gente e che dopo, perché penso che sicuro non è una volontà la tua parte di dire Maxim horror, Maxim horror, Maxim horror, perché alla gente che è, possono essere sensibile, tutta la gente ha visto l'orrore che va piangendo, che è emozione, forse è due minuti di pausa, di mettere le cose un po' più tranquillo e dopo può, prendiamo. Può aiutare tutto il gruppo a prendersi 5 minuti di pausa? Volete? Mi aiuta un po' a... Decisamente. Peut-être... Sì, va bene. Una buona cosa per tutti. Sì, va bene. Ritorniamo? Ok? On va soffrire dans ce groupe. Parce qu'on les approche avec légèreté, le côté humain. Vous voyez, on est tous ensemble, c'est vrai, ça fait plaisir d'être ensemble, mais on a des réalités très très différentes. Je suis d'accord, tout le monde a des difficultés. Mais on a, vous voyez, Maxime tient le coup, mais elle a craqué. On les a prononcés ensemble. Il faut faire attention à ça. Il y a des gens super fragiles parmi nous. Mais je trouve que deux fois dans la façon de se parler, ça manque un peu d'humanisme ou bien on néglige un peu ce côté. C'est ça qui est important, c'est ça qui me fait revenir. Si je suis traité comme à l'armée, je me casse, je ne viens plus. Vous voyez, c'est pas trop la fin qui est importante, c'est ce qu'on vit ensemble. Donc dans ce vivre ensemble, il faut faire attention. Il y a des gens qui refusent qui ne s'imposent pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont de nature leur façon d'être. Mm-hmm. Qui ne parle pas, s'il est dans un groupe qu'on ne lui donne pas l'espace de parler, il prend pas mal, mais il ne va pas s'exprimer. Et si quelqu'un commence à parler, il y a cette façon, il faut qu'on fasse vraiment attention. Je pense que pour des formateurs, il faut vraiment que vous fassiez un point là-dessus. Parce que même dans les mails, ce week-end, sincèrement,
ça s'est pas bien passé dans les maîtres. Il y a des maîtres. Je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez un grand travail là-dessus. Ça serait bien pour l'intérêt du groupe. Et c'est important. Alors, il y a eu un petit paradoxe également. C'était que justement, on parlait du fait que, eh bien, parce que c'était une réalité, c'était un fait que Max, du coup, il a commencé, enfin, il a, c'est celui qui avait plus d'habilité pour pouvoir, enfin, qui on a donné la confiance et sans lui demander son avis. Et alors qu'on a critiqué ça tout à l'heure, eh ben, on a fait la même chose à Aurore et elle a mal vécu. C'est-à-dire qu'on l'a critiqué, on l'a analysé ensemble et après on l'a fait sur Aurore, par exemple, juste comme ça. Et je trouve que, ben, est-ce que, alors qu'on est en train de, par exemple, de travailler sur ça, c'est marrant de voir à quel point, ben, même nous, eh ben, on a du mal à le, on le montre et pourtant on le fait quand même en même temps. Et du coup, c'est est-ce qu'on apprend nos erreurs maintenant tout de suite là ? Comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer réellement plutôt que juste en discuter comme ça et puis le pointer du doigt ? Comment J'ai une question. Perché usate la parola errore ? Pourquoi analyser, ça veut dire critiquer. Dove è l'errore ? Non riesco a capire. Ah, c'était pas, en fait, c'était, on a mis en lumière, en fait. On a montré que Max, il n'avait pas envie de le faire, donc là je suis obligé de lui donner un jugement de valeur, en fait, parce qu'il n'avait pas envie. C'était pas un plaisir au départ, c'était pas une envie. Et en fait, le fait d'après et de montrer et de, à partir de ce jugement de valeur, le tac, 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 et le redistribuer, comme il disait tout à l'heure Julien, et le répéter en boucle, en boucle, en boucle, et ben du coup on a donné une dimension supplémentaire qui n'existait pas. Et ouais, moi j'ai pas compris, parce que clairement, ça c'est vrai ce que tu dis. Au début, ils ont dit qu'ils avaient, au début, quand ils ont fait leur machin, ils ont débriefé en disant il y a certaines personnes qui, des fois, vont dans leur zone de confort et que, des fois, c'est les autres qui les remettent dans leur zone de confort. Et ça a été dit. Mm-hmm. Et alors, peut-être qu'il y a aussi le fait que les formateurs ont une compréhension du français qui n'est pas parfaite. Ça, c'est vrai. Et du coup, peut-être vous n'avez pas compris que c'était eux qui disaient Max a été choisi. Mais c'était pas forcément son choix. Et qu'après, dans les observations, ça a été recité. Et après, moi, je pense qu'on a dit pas d'interprétation de la part des observateurs, et je pense qu'on n'est pas resté dans le fait. Ou alors, c'était un fait qui était nominatif, et que dans ces moments-là, il faut toujours être assez subtil et délicat, surtout quand c'est dans un groupe. Ancora non capisco perché l'errore. No, pas error. Aurore è il nome della ragazza che batte. Sì, no, ma prima si parlava di errore di valutazione. No, ma c'è come se avessimo fatto qualcosa di sbagliato. No. No, non credo che sia quella tensione dell'essere nominati, del sentirsi per la causa anche in una specie di, vabbè, in generale, nel momento in cui ci si mette in gioco, chiaramente si è già in una certa tensione. Ok. Perché siamo stanchi, per tutto quello certo, che vogliamo. Certo. Cioè, io penso che sia veramente proprio il focus così, e anche, anche un po' non svegliato, però è influenzato e anche un po' interpretato giustamente, perché ognuno ha delle competenze e a volte l'interpretazione dona anche un senso che noi non possiamo cogliere da dentro. Je peux dire quelque chose ? Je suis d'accord que peut-être qu'il ne faut pas nominer des personnes et que ça dépend comment chacun le vit et que chacun sait reconnaître un petit peu à peu près ce qui, enfin, se sent visé et tout ça. Après, je pense aussi que ces dynamiques-là, elles existent dans le groupe et que là, on les a formulées. Et que c'est aussi important quand même de les formuler et que même si on a un groupe où je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a beaucoup de bienveillance, tout ça, il y a quand même des dynamiques humaines qui ont été formulées, qui existent, et qu'il est important de se dire, même si ça nous met en tension. Alors, juste pour voilà, en fait, contrairement à ce que tu dis, là où en fait je pense que ça n'a pas été formulé, c'est parce qu'on n'a pas défini qu'est-ce que ça veut dire leader. Et qu'en fonction de qui le dit, comment on le dit, à qui on le dit, c'est un jugement de valeur. Et là, on est dans l'interprétation.
Et donc là, en fait, il aurait fallu commencer par dire, ok, il a été leader dans telle action, dans tel fait. Pourquoi ? Ça, on dit, un tel c'est un leader, un tel c'est un leader, un tel c'est un leader, forcément, on va donner des jugements de valeur. Et là, eh ben, les règles, elles sont plus respectées et on est sorti finalement de l'exercice. C'est ce que j'essaie d'expliquer, j'ai tendance à le dire, quand je disais qu'il y a des gens, ils vont être plus dans la matière, ils vont toucher la matière, essayer d'improviser des choses. Et moi, j'étais plus dans, voilà, j'écris ce que je vois, j'écris ce qu'il lui est en train de faire, parce que je vais être plus dans l'écrit. Donc chacun a sa méthode propre dans un groupe, en fait. Et après, à partir de là, regardez, voilà, toi tu fonctionnes comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et si tout le monde part en même temps, bah forcément au bout d'un moment ça va exploser, et ça paraît logique. Et moi, voilà, je sais pas, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je vous dis, je regarde les choses avec distance, et je me dis, j'essaie de voir positif, et je me dis, bon, bah ça me fait travailler des choses que j'ai pas l'habitude de travailler. Allora, non mi è chiaro se vi serve ancora la pausa o se posso andare avanti. Io sento che ci sono, scusa, però sento che sono fuori, sì. Sento che vogliono uscire. E questo, io lo trovo, chiedo di, esatto, siccome io ve l'ho chiesto e voi avete deciso, ma siete restati. Sì. E per quello che ve lo richiedo, così magari potete... Prendiamo una pausa. Andiamo una pausa e rientriamo, 5 minuti, va bene? Ok? Dai! Je te kiffe, ma blanche. J'adore. C'est le problème, c'est le problème. J'adore. Ils ont réinterprété tout ce qu'on a fait.
Qu'est-ce qu'ils inventent comme délire? Et tu dis, attends, il n'y a pas genre Max qui est tombé et les autres qui sont tombés. J'ai l'impression que c'est nous qui disons entre guillemets de façon faisant une rotation dans le changement d'air de ce que ça peut être. Préciser pourquoi. Non mais en fait c'est parce que c'est ça en fait, c'est que non mais c'est que Jimmy il a balancé ça. Il a balancé ça en disant que c'est Max qui était à la fois le leader. C'est la liste pour moi, c'était représentant. Maintenant. Mais à aucun moment Max a tranché. Après, c'est bien parce qu'on fait ensemble, on a tous ces gens de jusqu'à la fin. Et donc, c'était faux, ça, en fait. On est dans un mécanisme. Oui, mais c'est toi, en fait. Non, alors là, oui, il faut pas se faire. Mais en essence, c'était bien marché dans la sens que j'ai dit. Et en fait, ça, c'était faux. Et donc, du coup, après, c'est vrai que concrètement, c'est vrai que personne ne peut être considéré. Comment ça donc, ça, c'est logique. Même si j'aime prendre le statut, il y a aucun moment. Là, après, il y a aucun moment. Il y a petit côté, leader, genre. Elle fait appeler les choses en main, alors qu'elle était déjà que voilà, c'était le petit leader qui se trouve. La grosse boîte, le petit leader, ça veut dire qu'elle, en gros, elle peut tellement se mettre en avant qu'elle conteste. Mais c'est ça le problème, c'est qu'elle a craqué parce que l'interprétation, si t'as pas les mêmes définitions. Après, c'est un miroir sur le fonctionnement. Moi, je pense que même si on a un peu de temps, je pense que nous, quand même, exprime-toi, explique-le clairement parce que du coup. Mais après, ce qui est ça, en fait, moi, je vais te présenter le truc et j'ai rentré dans le lard direct. C'est rentré dans le lard direct. Je sais que l'autre va être obligé. Et du coup, on va dire, le programme, on l'a fait comme ça. Pourquoi tu ne vas pas dire il y a des mecs, ils vont voir qu'en fait, on en a un moment donné et on va prendre une décision. Parce qu'à un moment donné, au-dessus, ça n'était pas. Parce que je pense que la personne hésité pour le faire, le fait de les faire ramener des choses et qu'on n'avait jamais donné une décision en direct. Pas négocier. Là, c'est même moi qui dois éclater. Et après, si vous voulez, je trouve que c'était juste maladroit. Et ça, c'est pas possible.
Ouais, surtout qu'en plus, on a vachement bien bossé ensemble, à aucun moment. Mais c'est ça ressemble pas du tout à. C'est pas nous. Si bon, mais après, pourquoi nous, on interprète pourquoi on interprète pourquoi on interprète pourquoi on interprète pourquoi on interprète non, elle, elle a fait non, c'était bien. Mais après, c'est pour ça que moi je disais que, après, parce qu'une fois que tu dis des trucs, c'est l'interprétation derrière, parce que peut-être elle. Mais quand les mecs qui s'enjaillent, avec ceux qui ont aimé, qui prennent plaisir, arriver à montrer que ce soit positif ou négatif, eux, ils ont émis un jugement. Et en fait, c'était ça que c'est montré. C'est que si tu définis pas, tu passes la situation bonne ou mauvaise. Tu dis, ouais, lui, c'est le leader, tu sais, quelque part, tu dis, bah, c'est le mec qui ressort de haut. Alors, si on avait tous une richesse, on a tous travaillé ensemble. Et qu'effectivement, ouais, c'est actif. Et ben, ils sont médiateurs. Ils sont médiateurs, c'est pas grave. Bah ouais, c'est ça, ils permettent de pouvoir réfléchir. Mais c'est vrai que dit comme ça que t'as dit, on n'avait plus l'impression que. Et c'est là, là, ça c'est restrictif pour les autres. Là, il y en a un, et c'était pas. C'est pas de l'autre. Après, tu reçois une femme. Parce qu'elle a quitté entre les deux doigts, mais on a pris plaisir à bosser ensemble. On l'a fait, on s'est pas embrouillé. Elle a pointé, elle a mis en avant ce qui était positif. Quand elle a parlé des solutions, du climat, on arrive à travailler dans la chute, le jeu. De les mecs qui n'arrivent que eux, ils interprètent eux sans avoir décidé. C'est nourriture. Ouais, et eux ils ont jugé. C'était un bureau en pâture. En fait, c'est la phase où Vini a dit un truc et Renato l'a traduit plus interprété et que du coup, il a balancé. C'était juste avant que. Et c'est là qu'on voit les parties. Et c'est là qu'après elle a parlé, j'ai intervenu pour dire attendez les gars, franchement là ça part en bouille. À un moment donné, genre, on est en train de transformer l'image. Moi, il me transformait l'image que j'avais eue, qui était plutôt plaisante, en disant ouais, regardez les mecs, ils sont bien détournés. Il n'y avait pas un mec qui me menait. Parce que nous, on a le groupe Théractive, on arrive à s'échanger quand même. Attends, est-ce qu'il y a un mec et tout ça, etc. Alors qu'ils ne sont pas dans le groupe Théractive. Par exemple. Et Marie. Mais en fait, il y a un tutor qui. Qui te considère en tant que stage, mais c'est ce que je dis. Dans le groupe Théractive. Parce que. De point d'attention à dire. Formation. Qu'on a dire qu'ils ont oublié eux-mêmes qu'on a des compétences, qu'on bosse, et qu'on crée des événements, qu'on forme des gens. Et on a l'impression d'être des objets d'expérience. Non, mais c'est que quelque part, en fait, quelque part, des fois, et là, par rapport en fait, à toi, et là, ils peuvent être dans l'erreur. Parce que, non, mais toi, t'es un enfant, là. Non, il n'y a pas ça, mais genre, moi, je peux, là, on est là. Mais genre, tu peux pas. Ça veut dire que forcément, tu vois, on aura corrigé.
mais ça a dit qu'on allait passer. Ok,
ci riaggruppiamo? Sono giusta, credo che sia. Hai voglia di andare a recuperare gli altri? Sì, voglia. Grande. Sosteniamo il mondo. Arrivederci. No, 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 no. Addio. Stai con noi. Ma perché sei incazzato? Ti abbiamo detto. No, no, io. Lui è nella sua mente adesso, nel suo telefono, ha altri problemi da, bravo, da gestire. Io capisco tutto, anche se non dico nulla. Tutto ci arriva, osserva, ascolto e poi azione. Positivo e positivo. Eh sì, non lo voglio dire. No, che cosa c'è? Ok, va bene. No. No. Sì, la tuffa è come, no? Sei molto attenta. Non sento un po' triste? No, va bene. Positiva, okay, però. Ecco perché mi sono messo come te. Tre? Tre? Middle. Middle. Equilibrio. E è un peccato che non parli francese, perché ho fatto la video del nascita. Io sono sagittario. Anche come me? Sagittario. Lui, lui sa. Cioè, io sagittario e la mia fidanzata capricorno. Lui sa soltanto dire, volevo cucciare il morso suo? No, l'ho fatto in una settimana. Arriva su Sagittario. Sì. E poi ci abbiamo cinque anni. Arriva su Sagittario 29 novembre. 22. Quando è il tuo compleanno? 20 dicembre. Andiamo tutti in Italia a festeggiare. Tutti non lì, tutti non lì. Sì, perché io mi passo in qua. Perfetto, ah, senza leader. No, senza leader. Sì. Io sono quella della mia vita e basta. Andate, è già bene. Grazie. Allora, bene, grazie. Sono già fatta.